Welcome back, ladies and gentlemen. We mentioned at the beginning of the All-Star event that Paris is the city of love. And for two very special people in our audience, that is definitely true. Of the Zenith for a fan interview with Eric and Beatrice. And well, normally I would be the one asking the questions, but I heard that, Eric, you actually have a question of your own. Basically, I was really happy to come here, and in fact, my girlfriend told me, I told her I wanted to give her a Duran ring. I couldn't find anything here on stage, so I found something else. I wanted to ask her if she wants to become my wife for the rest of my life. Yes. And this is all the ring they could have. The happy couple, Eric and Beatrice, and there's actually a special guest who'd also like to say something to them. I saw what happens, and I'm really happy for you guys. I want to give you guys something. I'm really, congratulations first off, and I'm glad you guys found your support. Thank you very much. Really wish you guys good luck. Guys, one more time for the happy couple, Beatrice and Eric. Fantastic stuff here. And now I propose that we toss back to the guys at the desk. Et on est de retour donc. Merci Shox. Bravo à l'heureux couple. Beaucoup de bonheur à eux. Paris, la ville de l'amour et des lumières finalement. Et des légendes. Et des légendes. Alors, là, le match qui nous concerne et qui nous intéresse tous, Cloud9 contre OMG. Déjà, est-ce que ça vous chauffe le Zénith Cloud9 OMG? Ok. Alors, c'est un match qui s'annonce vraiment hyper intéressant. Parce que déjà, bon, on a pu voir un peu ce que pouvaient nous sortir les deux équipes hier. Les Cloud9 se sont imposés un peu à la surprise générale quand même. Alors propre surprise aussi, on a l'impression, avec alors finalement des, on les a peut-être trop laissés, les OMG les ont peut-être trop laissés sur leur pic, c'est-à-dire de la Morgana, de la Lulu, enfin de l'Orianna, donc que, enfin en tout cas pour Link, des pics utilitaires qui pourraient peut-être être sanctionnés. Et même s'il était tombé derrière Xiang, qui s'était fait vraiment démolir au niveau du montant de farm, finalement, vraiment au niveau du map control en fait, du contrôle d'objectif, à chaque fois que les OMG tentaient de prendre un kill ou quelque chose n'importe où sur la map, il y avait une réponse, voire deux réponses Cloud9 ailleurs. Et c'est à cause de ça qu'ils ont commencé à snowball. Et notamment Sneaky avec son Twitch. Donc voilà, Sneaky plus forcément Link pick utilitaire, Sneaky, un Twitch, les deux font vraiment une très bonne combinaison. Et derrière, avec Lemon Nation et une Morgana de folie, forcément, c'était excellent. Pareil, Meteos, peut-être va-t-on lui ban sa Elise. Alors le problème, c'est que malgré le fait qu'il ait joué trois fois Elise, ben, il a été excellent sur les trois, mais le moment où il n'a pas Elise, il a pris Vin, il était aussi excellent, il a complètement carry son équipe. Donc vraiment, les Cloud9 qui semblent très en forme et qui pourraient très bien s'imposer pour se frayer un chemin jusqu'à la finale. Et c'est une équipe qui a vraiment des mécaniculés. Je pense que la meilleure façon de s'assurer une victoire contre eux, c'est de les mettre vraiment en difficulté en phase de lane. Parce qu'après, si tu les laisses arriver, on va dire, à égalité à peu près à 15 minutes de jeu par là, ils ont vraiment un fonctionnement qui est très carré. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et à partir de là, c'est difficile de les bouger. Il faut aller les teamfights. Un teamfight, quand on a des compositions comme celles que sont capables de proposer les Cloud9, c'est jamais gagné à 100%, surtout si t'es à égalité au niveau des golds. T'as beau être aussi bon que tu veux, les Cloud9 ont vraiment leur fonctionnement. C'est une mécanique huilée, mais je pense qu'en early, ils sont vraiment prenables. C'est une compo vraiment... Ils ont leur compo type. Trundle, Shyvana, Elise, Evelynn, Lulu, Orianna, Twitch, Morgana derrière. Et c'est vraiment ça, très, très c'est leur composition type. Mais de toute façon, on le voit. Hein. Dans les games qu'ils ont disputés, les Cloud9 contre les Fnatic, ils sont arrivés en phase de teamfight et au mid-game à peu près, donc à égalité. Et vraiment, ils ont tenu la dragée auto Fnatic. Bon, Fnatic, il fait une petite erreur quand même sur le move de re-engage au mid. Mais voilà,
On a vu les Cloud9, dès qu'ils passent leur league game, c'est solide. Pareil contre l'OMG, ils ont fini par les Snowball. Contre les Tipiers, pareil, ils leur ont mis la sauce assez tôt dans la partie. Par contre, la seule équipe qui les a vraiment over-agressés en early game, les SKT T1K, ils leur ont roulé dessus. Ouais, tu as commenté la game. Ils jouaient avec leur nourriture, ils leur couraient derrière la plupart du temps. Mais contre les OMG, les Cloud9, par contre, qui étaient en meilleur contrôle. Notamment un bon contrôle sur le Drake de la part des OMG. Vraiment, contrôle, enfin, brillant en rotation, brillant stratégiquement, c'est ce qui pourrait peut-être le mieux exprimer le style de jeu des Cloud9. Ouais, je suis d'accord. Ils sont parfaits, là-dessus ils sont vraiment parfaits. Sneaky, Sneaky sur son Twitch vraiment qui se transforme en hyper carry pour son équipe. Et du coup l'équipe Cloud9 qui commence à sortir, donc leur composition phare actuellement, c'est une composition à décentrique. Alors, mais je sais pas ce qu'on peut attendre en termes de ban, mais je pense que l'OMG vont tenter de les gêner dans leur composition, c'est sûr et certain. Il y a un match qui est très intéressant à la botlane avec San Allen. Allen qui dans sa game contre les Fnatic est sur 100% des kills. Il a participé à 100% des kills de son équipe. Allen, au début, au début du tournoi, on était là genre Allen, c'est pile ou face, ça peut être tout, ça peut aussi être rien. C'est là clairement, dans ce tournoi, Allen, c'est tout. Mais à chaque fois qu'il a quand même des pics playmaker, c'est-à-dire que quand il avait joué Sanami, il m'avait un peu moins convaincu. Léona, mais quand on lui donne une Léona ou un Thresh, vraiment, Allen justement ne fait pas dans la finesse. À la botlane, on pourrait très bien se retrouver avec un Twitch Morgana contre une Jinx Léona de la part de San et de Allen. Et je vois pas en fait l'OMG laisser Twitch Morgana au Cloud9. Enfin, ce serait, ou alors ils ont un super plan contre eux. Mais honnêtement, les Cloud9 ont montré qu'ils étaient tellement à l'aise sur ce type de composition. À mon avis, il va y avoir des pics qui vont cibler la composition type des Cloud9 et peut-être même que, à part les bans, peut-être que les OMG vont se servir dans certains champions. Il y a Xiang aussi qui a surveillé. Xiang qui était à 31 de KDA sur la première journée et sur le jour 2, il est passé à 2,29. Donc forcément, après, il y avait une défaite sur le jour 2, donc forcément, ça fait drastiquement chuter le KDA. Mais Xiang qui nous avait extrêmement impressionné, peut-être une petite baisse de tension sur la deuxième journée. Donc il faut voir ce qu'il va donner dans son match-up, notamment contre Link, qui, Link, on l'a vu, va jouer la passivité, va jouer l'utilitaire si possible. Et alors vraiment, Link, qui est pour moi quand même une surprise dans ces All-Stars, parce que Cloud9, alors, on savait que les Cloud9 avaient pris Link parce qu'ils s'adaptaient assez bien à leur style de jeu. Même façon de jouer, même pool. Donc forcément, s'adaptaient bien. Après, le petit truc, c'est que Eye était leur shot caller. Mais apparemment, même sans Eye, avec Meteos qui fait les shot calls, notamment en early game, ils arrivent très bien à s'en sortir. Et je suis impatient de voir ce que les deux équipes vont dire sur ce match, puisqu'on va avoir une vidéo de présentation justement de cette demi-finale en BO3. On vous rappelle que cet après-midi, il y aura SKT T1K contre Fnatic. Et donc, moi, j'attends une journée de folie. Ouais. Peut-être un 2-1 en faveur des deux équipes, si tu en avais une à donner là. Un 2-1, là pour ce match ? Pour ce BO3. J'aurais dit 2-1 pour les OMG, mais Je dirais la même chose, Noah. Les Cloud9 sont excellents, mais je pense que les OMG, là, ont peut-être sous-estimé le match la dernière fois. Peut-être. À prendre avec réserve. Mais là, je pense que de toute façon, toutes les équipes sont traînées à fond pendant la nuit. Ah, vraiment. Alors, le public, qui pense qu'OMG va gagner cette demi-finale ? Eh, pas tant que ça. Et pour Cloud9, s'il vous plaît. Et Cloud9. Un petit soutien pour l'équipe américaine, c'est bien, ça fait plaisir. De toute façon, je pense qu'il faut en donner à toutes les équipes. Ouais. Elles viennent toutes avec de belles stratégies, elles sont toutes très fortes. On est là principalement, je pense pas que les joueurs sont là pour le cash prize, ils sont là pour la compète, ils sont là pour le beau jeu, ils sont là pour l'ambiance. Et honnêtement, tous les joueurs nous ont dit, ce public est un public formidable. Et toute la communauté nationale qui vous écoute ont trouvé que vous étiez formidable. Merci le public. Ce match, donc très serré hein, vraiment entre les deux équipes, avec les Cloud9, eux, qui cherchent les objectifs, et les OMG qui seraient plus vers la recherche du kill, Chips. Ouais, alors on va voir, hein, mais vraiment cette early game, à mon avis, va être clé entre les deux équipes. On va voir ce qu'ils vont nous en dire, justement, Noah, dans cette vidéo de présentation. À tout de suite. I'm actually really surprised we're able to pull the win yesterday against OMG. I would say it was due to our ability to play the early games a lot better than we were playing it the first day, and I think we were able to improve and learn from that. C9 是一个适应能力非常强的队伍吧，
在昨天的比赛中，他们在中前期灌线以及控线都做得非常完美了。To beat OMG today, we have to basically play really well. We can't make mistakes because they'll capitalize on them very hard. I think OMG will be sort of motivated to get revenge on us. 然后让我们有点意想不到吧。然后今天的话，我们也调整好了状态来迎接他们。Ouais, plus de tension déjà. Oui, c'est pas la même chose. Là, les OMG sont au courant donc qu'ils sont, que les Cloud9 peuvent les prendre. Alors, adaptation de la mentalité, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Noah ? C'est une excellente question. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils ont adapté en général leur pick et leur façon de voir les choses. Mentalité peut-être justement dans le rythme de la game, à savoir ne pas laisser les Cloud9 arriver sur le moment où ils sont très forts et où on sait qu'il est très difficile de les prendre. Stratégiquement. Et j'attends de revoir, moi j'aimerais bien revoir la Morgana vraiment de l'Imagination parce que ses cages sont quasiment toutes parfaites. Vraiment, alors, les Black Shield du côté des Cloud9, donc Sneaky, Okari AD, l'Imagination au support et l'équipe Cloud9, des applaudissements s'il vous plaît pour les Américains. Avec un nouvel habillage pour les piques et pour les balles et pour la présentation des équipes. Ma foi, c'est stylé. Coco Ig au top, Pomelo dans la jungle. Omi, nous avons bien sûr Shiyang avec le dieu de la Syndra. San en ADC monstrueux. Et enfin, Allen, le génie de la Leona. Pour les OMG, le Zénith. Quelle demi-finale, Noah. Je suis impatient. Je suis tout émoustillé, en effet, Chips. Je me demande vraiment ce que ça va donner, cette phase de draft déjà. Alors, je pense qu'ils ne pourront pas réunir déjà une duo lane Twitch plus Morgana, les Cloud9. Ça sent le pic d'un côté ou de l'autre. Les OMG qui jouent très bien Twitch. San qui nous avait montré un build purement assassin avec une BOTRK et une Yumu. C'était contre les... PoTRK, contre les TPA peut-être. C'est oui, très possible. C'était contre les TPA. Et du côté de Lemon Nation, on peut avoir par exemple des ombres jumelles, les Twin Shadows, qui ont été utilisées très efficacement d'ailleurs. Super, hein, vraiment pour effectuer. Mais là, de façon générale, vraiment Lemon Nation qui est un grand stratège, qui est le stratège même des Cloud9, le joueur que vous avez à l'écran là. Et c'est lui qui s'occupe de toute la phase de pick, de ban. Il étudie énormément donc la méta, les différentes possibilités stratégiquement qui s'offrent à lui. Toujours avec son calepin dans la main. Exactement, c'est l'homme au bloc-notes, Noah. Et je pense que les Cloud9, alors, s'attendent quand même à ce que les OMG ne les laissent pas dans leur zone de confort. Et c'est là qu'on va voir si cette équipe peut s'adapter pour un BO3. Les BO3 laissent le temps de voir beaucoup de stratégies. Tu peux avoir une game où tu pars un peu plus all-in. Tu peux moins te faire surprendre. Tu peux moins te dire, mince, j'ai négligé ce match, j'ai pris trop à la légère, je me suis fait surprendre, c'est fini pour moi. Là, on va voir quelque chose. D'ailleurs, pareil, je serais super intéressé. J'attends avec impatience le SKT1K contre les Fnatic parce que... Qui ne l'attend pas. C'était tellement serré comme partie. Alors peut-être que les SKT1K ils sont pas allés à fond en jouant leur compo à skin finalement, mais faut voir franchement les Fnatic qui leur ont donné du fil à retordre. Voilà. C'est une compo parfaitement viable, ouais, très clairement. C'est surtout en ce moment tous les picks, il n'y en a pas un seul qui a jeté. Notamment même la Zyra. Même Zyra, ça se joue hein, quand tu vois les mécaniques de Poumandou, comment il arrive à te route à chaque fois, 2-3 joueurs, ces ultis qui t'as l'impression qu'ils font la moitié de la map à chaque fois, tellement ils contrôlent l'équipe adverse, ça les empêche d'avancer. Pardon. Ouais. Bref, c'est vraiment les SKT1K qui ont été hyper surprenants. D'ailleurs, on discutait avec nos amis de l'OGN hein, qui disaient, ben oui, effectivement, les Kay. Les on K, retrouve un ouais. peu l'équipe dominatrice qu'on connaissait. Ça y est, on en a parlé, ils étaient là, ouais, en NLB, ils n'étaient pas terribles. Même pendant leur phase de poule, leur phase de quart, c'était pas terrible. Mais là, vraiment, ils ont ressorti le grand jeu. Et on est impatient de les revoir en Corée aussi, notamment dans les Club Masters hein, qui se dérouleront après les All-Stars. Ça risque d'être intéressant. La phase de draft est lancée. Les demi-finales de ces All-Star Games sont définitivement en route. Et voyons voir ce que nous préparent les équipes. Alors, un ban de Syndra côté Cloud9 contre Shiyang. Va-t-on avoir un ban Kassadin également ? Kassadin qui a montré qu'il était de retour noir avec ce patch 4.6. Je pense qu'un ban de Twitch, pour moi, je vois bien Leblanc, Twitch de ban, Kha'Zix aussi, Kassa, Syndra, c'était obligatoire de la part des Cloud9 parce que vraiment, Shiyang est un génie de la Syndra. De la Shiyang.
de la Shinra, ouais, je suis assez d'accord. Alors, le Kha'Zix de ban, le blanc évidemment. Twitch peut-être du côté des OMG. Ah, la Morgana de Lemon Nation. Lemon Nation qui est un vrai monstre de la Morgana. Et il reste... Kassadin de ban, donc triple ban pour la mid lane côté Cloud9. Le danger est clairement Xiyang. En tout cas dans la tête des Américains. Est-ce qu'on va ban Elise? Alors la Elise de Meteos, oui pour le gêner, très bien. Et first pick Jax côté Cloud9 pour Bulls. Alors on va enchaîner avec un Thresh. Où va aller le Twitch noir? Il y a une Lulu encore disponible. Est-ce que les OMG vont s'en emparer pour ne pas la laisser à Cloud9? Disons que le truc, la puissance du Jax plus Lulu. Si jamais leur pick est mauvais là derrière, c'est sûr qu'ils vont se prendre Twitch Lulu dans Twitch les dents. Twitch Lulu, ça me semble c'est... évident. Enfin, c'est si écrit... c'est au Cloud9. Là, c'est écrit sur le front des Cloud9, genre Twitch Lulu. Et donc un Thresh, une Shyvana. J'ai peur qu'il laisse vraiment jouer Cloud9 sur une compo monstrueuse. Hein. Ah, un petit Lucian, donc ils décident de pick leur duo lane. Après, avec Thresh et Lucian, peut-être qu'ils se disent qu'ils peuvent avoir un Twitch en face. Nous, tant qu'il n'y a pas de Morgana, ce n'est pas forcément très grave. Ok. Thresh, Lucian, alors Cloud9. Bon, vont-ils pick la Lulu? Je vois pas s'il les en empêche, vraiment, même sans connaître le pick en face, lui c'est tellement safe, c'est tellement utilitaire, même s'il fait une mauvaise game, il suffit de mettre un bon ulti au bon moment peut-être. Sur ton engage, sur ton Jax, sur ton Twitch et le teamfight peut être remporté juste avec ce move. Alors, on va voir, Lulu Twitch semblerait être un choix très sympa. Il y a Evelyn qui pourrait sécuriser rapidement aussi. Ouais, Evelyn ou Lee Sin du côté de Meteos, il a passé à Elise. Il a été excellent sur Evelyn, donc pourquoi en rester là? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Son Lee Sin est exceptionnel aussi. C'est hein, vrai, mais c'est vrai. On va voir. On va voir ce que ça va donner alors. Twitch, Lulu, ou bien le jungler peut-être. Et ce sera Twitch, Evelyn, double fufu côté Cloud9. Double furtif, Noah. Ok, alors ça, c'est une, déjà un très bon départ. Il va juste falloir qu'ils mettent leur Twitch avec un support qui va lui permettre de tenir la duo lane, à moins qu'il ait suite de swap les Cloud9, ce qui serait possible. Ouais, voilà, et la Lulu qui est pick côté MG. Forcément, on va pas leur laisser. Avec la Shyvana pour comboter sur l'engage. Lyoriana qui est dispo, qui pourrait très bien être prise par Link. Et en carry défensif, pourquoi pas une Karma pour. Alors le truc c'est que peut-être qu'il voudrait un champion un peu plus tanky, donc Leona pourrait être sympa, Leona Twitch qui est très appréciée. Ils n'ont pas de gros tanks les Cloud9 là en mid-game, une Leona avec son shield peut faire le travail. Lemon Nation est une bonne Leona, une Leona et une Orianna semblerait être de très bons picks côté là, Cloud9. Là une très grosse compo de fight, une très grosse compo d'engage, même une très bonne compo de catch, hein. Evelyn, Twitch, Leona. Et sur en les lanes c'est solide, sur les lanes le 1v1. Tranquillement. Oh, oh ah. Nida. Nidalee, Zyra et le Nunu. Alors, ça c'est un truc qui est intéressant à noter. Les OMG qui n'ont pas ban Jax, mais parce qu'ils jouent beaucoup Nunu dans la jungle, Noah. C'est et un Nunu, des Nunu est un très bon champion forts. Contre Jax. C'est ça. Bah tu mets un glaçon déjà, tu fumes en termes de vitesse d'attaque. Et après un gros zéro absolu une fois qu'il a fait son jump. Et le Jax ne fait pas grand chose. C'est excellent là, de la part de Pomelo. Ce n'est pas la première fois que l'on voit ce pic là de leur part, vraiment. Et alors les OMG certes n'ont pas une compo avec le plus de DPS du monde. C'est ça, hein, mais ils ont quand même beaucoup de champions axés soutien. Par contre ils ont quand même un teamfight en mid-game qui est très bon je pense avec... Quand ils seront mid-game, ils auront de toute façon de bons dégâts, ils auront une tankinesse vraiment énorme et beaucoup de contrôle. Les Cloud9, eux, alors, ils ont vraiment une composition de late qui surpasse celle des OMG, je pense, mais ils vont avoir un déficit de tankinesse, je pense, en mid-game. Aux alentours des 15-20 minutes de jeu, si l'OMG force des dragons dans cette zone de jeu-là, ça pourrait être embêtant pour les Cloud9. Et là, il faudra choisir, tenter de fight peut-être. Alors, c'est là aussi que la Nidalee peut rentrer en compte, Noah. Elle peut temporiser dans ce type de moment. Encore faut-il qu'elle soit bien dans sa game. Mais une Nida, voilà, qui a 25 minutes de jeu à son Graal Impi et son Rabadon, ils ont... ça alors, peut faire le travail en termes de temporisation. Par contre, là où je pourrais m'inquiéter un peu pour les Cloud9, c'est que les OMG, c'est une équipe qui est extrêmement forte en early game, extrêmement forte en phase de laning. Et là, il y a des lanes qui en early game, c'est pas les plus faciles. Une Nida, un Jax, c'est un monstre, mais en early game, tu peux te faire massacrer. Ça va. Twitch, normalement, tu peux avoir du mal.
Donc vraiment, ça peut très vite tourner au désastre. Après, voilà, Nunu, c'est pas le jungler qui fait le plus peur en termes de gank. Mais il y a peut-être quelque chose à faire du côté MG. Et on encourage bien les deux équipes. Allez, plus fort, Paris, plus fort le Zenith. Cloud9 contre MG. Et on est bouillant. Alors, Cloud9 qui commence Blue Side. On va voir ce que ça va donner, Noah. Nunu est un pick qui est très intéressant pour Dive, notamment tellement il est tanky en fait et tellement il apporte de slow à ses coéquipiers. En général, c'est vraiment très embêtant d'avoir un Nunu qui dive parce que tu le vois, il tank un coup de tour, 2, 3, 4. Il mange là, un creep, ah, bah, j'encaisse un coup de tour supplémentaire. Donc, qui arrivera jamais. Après les Cloud9, justement, alors ils ont essayé de ne pas pick la Leona. Je pense quand même que ça aurait pu être intéressant de choisir Leona. Il décide, ouh, donc là ça ira. Oh là là, 82%, 79 finalement pour 100%. Et n'hésitez pas à voter hein, sur Twitter, oui, ou hashtag que vous voyez affiché. Et aussi sur lolisport.com. Voilà, il suffit de faire en un clic voter pour l'équipe que vous voyez gagner ce match, pour l'équipe que vous voyez gagnante. Et attention, on aura peut-être un rencontre des titans. C'est les Cloud9 en train de camper au mid, peut-être pour un invade un peu plus late. Et Lazera, bien entendu, ah, qui va partir. Ils nous font leur classique, l'OMG. La Ward au Blue Buff et l'Invade à 1.48. Les Cloud9, alors, quel va être leur choix au niveau de la réaction? En tout cas, on va avoir un sapling côté OMG. Pomelo qui a vu les Cloud9, Balls, qui a eu l'information aussi. C'est vu. Et on va retourner de là où on vient pour les Cloud9. Les Cloud9 qui ne sont pas pressés. Hein. Leur compo, qui en termes de DPS, va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Par contre, si jamais ils engagent bien leur game, avec tout le disengage qu'ils ont, avec, ils ont tout. Oh. Hein. Ils ont du POC, de l'engage, du tanking en late. Pomelo a été vu, Gogoing également. Gogoing qui s'est de retourner. Balls, le stun peut-être. Il est isolé. Le glaçon de la part de Pomelo qui n'a pas pris sa voracité. C'est derrière. Attention, Allen qui est dans la tourmente. Allen qui va être obligé de flash out le hook sur la part de Meteos. Mais il n'y a pas de DPS. Ils sont beaucoup trop split les OMG et on en restera là pour cette NJ de début de partie. Est-ce qu'on va revenir pour essayer de contester ce red buff? Là c'est un début de partie vraiment étrange parce que les deux équipes ne sont toujours pas sur les lanes. Noir, les carrières AD rejoignent la top lane, mais les junglers qui sont sevrés de buff pour l'instant. Pomelo va être le premier à en hériter. Regardez Meteos qui choisit d'aller prendre le blue buff adverse, mais cette ward posée par le OMG, ça c'est vraiment caractéristique de leur early game aux chinois qui leur donnera la formation. Regardez le décalage de Xiang qui va gêner. Donc Meteos tandis que il va essayer Xiang. Xiang, mais voilà, pas possible contre Meteos avec son smite et on a le TP de effectué. Mais du coup voilà, Pomelo qui va contre-attaquer, invade le blue buff, ils ont la ward, ils sont complètement tranquilles là-dessus les OMG, et on a eu le TP de Balls à la bot lane pour ne pas perdre de farm du tout et qui arrivera complètement en avance par rapport à Shyvana qui elle va décider de conserver le sien. Donc il y aura vraiment peut-être un micro avantage pour Balls dans ce début de partie, dans ce match-up qui quand même, les deux persos sont pas des terreurs en early game, ça peut faire la diff. Alors on va voir ce que ça va donner vraiment, mais normalement le Jax peut très bien s'en sortir et il va de toute façon surpasser la Shyvana au bout d'un moment, surtout en termes de dégâts. Les Cloud9 qui ont clairement l'atout du split push hein, dans la game avec le Jax, avec tout leur fufu. Dès qu'ils vont commencer à faire tomber quelques tours, ils vont pouvoir mettre leur rotation en place, faire peser beaucoup de pression sur toutes les lanes des OMG. Et OMG qui a intérêt à clairement jouer leurs limites, je pense, avec leur composition en teamfight, en mid-game, à 20 minutes de jeu. Je pense vraiment qu'ils sont très bons. On va voir ce que ça a donné. Donc le pick Zyra, les Monations qui auraient pu partir sur Leona, mais Zyra qui est sympa aussi contre Thresh parce que tu peux protéger avec tes plans surtout, contre les grabs. C'est un, tu peux te protéger, et deux, c'est très engageant. Si tu fais un hook et que ton action elle est un peu incertaine, tu te prends un route au corps à corps, un ulti derrière de la part au niveau 6 de Lemon Nation qui split, qui empêche la décarie de venir aider. Tu te retrouves tout seul au corps à corps, tu te prends masse de dégâts parce qu'une Zera, notamment avec le Crow, ça a de très très bons dégâts en début de partie. C'est le même principe qu'une Annie par exemple. Au début, faut faire vraiment attention, ça a pas mal de burst. Et pour l'instant, les Clanan qui s'en sentent pas trop mal sur leur duo lane. Mais en plus, je pense qu'ils doivent avoir quand même un petit capital confiance finalement, parce que hier ils ont vraiment battu le OMG à plate couture. Donc là on sent quand même que du côté de Cloud9 on est bien. On va regarder Balls qui prend le dessus sur la Shyvana sur la lane. À côté de ça, au top, le Twitch qui s'en sort extrêmement bien. Pourtant, Sneaky et Lemonation sont connus pour être... Enfin, c'est pas forcément une duo lane qui prend énormément d'initiative, quoique ça dépend des situations. Ils sont de toute façon très intelligents, les Cloud9, dans leurs décisions. L'arrivée de Pomelo, mais il faudrait un grab de Allen. Regardez le sang chaud. Allen ça qui passera pas.
Ah, le creep qui a bloqué. Les creeps qui lui ont fait un croche-patte à Allen. Dommage, et il n'a pas réussi à passer. Cette situation, Chims qui avantage complètement Météos. Météos, comme dirait si bien chose, c'est un jungler utilitaire, c'est un jungler enfin efficient qui aime bien rester dans sa jungle, farm et ne sortir que dans des moments très opportuns. Et il les trouve très souvent. Alors là, le problème, c'est qu'il sortait de sa base, donc il n'a pas pu trouver une ouverture pour essayer d'aller faire mal un peu à la jungle de Pomelo. Il farme tranquillement, Météos, il est content. Et au top, en attendant, voilà, le POC qui est posé par les Manation, qui zone le plus possible avec ses plantes, et ils arrivent pour l'instant, alors ils sont pas devant au creep, mais ils arrivent au moins à tenir si contre un Thresh Lucian n'est pas une mince affaire. Et Link hein, qui farme extrêmement bien sur la mid lane noire, assez remarquable Link, sincèrement je trouve qu'il s'adapte extrêmement bien au Cloud9 et sincèrement moi j'aimerais vraiment lui porter un toast entre guillemets à ce joueur parce que c'est pas facile de reprendre le rôle de Ai qui est considéré comme étant un des playmakers des Cloud9, le shot caller. Si tu connais pas les Cloud9 et tu regardes cette équipe, bah tu sais pas vraiment que Link ne fait pas partie, a été une pièce rapportée de dernière minute finalement. Ouais, complètement. Alors Pomelo qui se remet en embuscade, mais sincèrement, il faudrait vraiment que les Cloud9 fassent une erreur en termes de distance par rapport à Allen pour être en danger, parce que tout à l'heure on l'a vu, le sang chaud, alors à moins qu'il tente un coup à la lanterne, on va voir, et non, on dirait que Pomelo n'a pas envie d'assister. Xiang, pour une fois, Noah qui ne joue pas un pick vraiment agressif, donc... On voit que les OMG abandonnent un peu leur traditionnel contrôle de la mid lane. Donc on a un flash out de l'Emanation sur un bon hook d'Allen. Mais voilà, il a vraiment... Il a voulu couper la main pendant qu'on a l'agression de Météos. Mais attention, Météos, voilà, au niveau 4 de Xiang, pour l'instant qui met dans sa game surtout. En plus, avec son calice, un peu de résistance magique. Et il est plutôt pas mal. Joli spear là de la part de Link qui commence à poser ses marques. Link niveau 6 qui va agresser Xiang. Un peu de pression, c'est bien là que les Américains ne respectent Super pas trop les Chinois de qui décident de les agresser un peu. Il faut surtout pas les laisser dans leur zone de confort. Il faut leur montrer vraiment qu'ils sont qu'on n'a pas peur d'eux et qu'on sait que la game est prenable. Et là les Clanan pour l'instant qui jouent extrêmement bien leur phase de lane, c'est solide en tout point. Bolz là qui est très bien contre la Shyvana qui revient avec son sceptre et vampirique. Et là il va pouvoir commencer à faire du trade et forcer Gogoing ne devrait pas trop tarder. Il va essayer de push, de faire son back et de revenir avec son TP. Pendant que voilà, forcément on a l'agression de Bolz, il a peine de revenir. En termes de stuff, il est largement supérieur. Et Gogoing qui va essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Et là, il est en train de TP sur une ward, il pourrait se faire du die, mais finalement Bolz qui va en rester là. L'agression sur Xiang qui va devoir claquer son ulti sur lui-même. Il y a Météos qui est dans le coin pour tête pour essayer de faire quelque chose à la fin de cette ultimate. Il va aller bot parce que Bolz il vient d'arrêter la ligne de creep et de la faire passer de son côté de la jungle, enfin de son côté de la river, mais il s'attend je pense à ce que Gogoing revienne en bas et là les OMG qui ne suivent pas ce plan là mais qui envoient la Shyvana au top et sans TP. Il y a le décalage, ça va être un 3v3, le dégagé de mid qui va arriver, mais ils vont finalement devoir disengage. Oui voilà, ils viennent de comprendre un peu là. La stratégie OMG, le reçoit qui est très bien pensé. Intéressant, les Cloud9 là qui vont essayer juste d'agresser un peu le blue buff des OMG. On sait que l'OMG aime contrôler les buffs de leurs adversaires. C'est vraiment comme ça d'ailleurs qu'ils ont remporté leur victoire contre les Fnatic. Ils ont massacré sur l'invade, ils ont pris mais les deuxièmes, à partir du deuxième buff, ils étaient présents sur tous les raids. Alors là c'est intéressant, l'Emanation a fait un décalage en bas, Météos qui va prendre son red buff, est-ce qu'il va passer niveau 6? S'il passe niveau 6 là, ça peut faire très très mal sur la bot lane. S'il arrive à caler un bon gant, parce qu'avec Bolz, il a vraiment réussi à ramener les creeps des OMG vers sa tour. Et non, finalement, on a un TP back de Météos et de Bolz. Et on va re-swap du côté Cloud9. Les OMG en avaient marre, je pense, de laisser la Shyvana en 1v1 contre le Jax. Ils avaient envie un peu de gêner justement la progression de ce Jax, ce que n'arrive pas du tout à faire Gogoing pour l'instant dans la game. Et là, je pense qu'on a un indicateur. Alors... Il a pris deux épées longues et à mon avis il va profiter. Là il a un bon pic de DPS à ce niveau de la partie. Il va en profiter. Attention, Link obligé de flash out. Il va utiliser sa forme de cougar pour 10 engage. Et bon, reste refait. Gogoing qui va y aller pour le dive. Mais voilà, c'est Nidah. Il l'a pas touché, Noah, trop court. C'est Nidah et Nidah, c'est très dur à gang. C'est notamment un asthmatique. Bah c'est Lulu, hein. C'est pas non plus. Voilà, Lulu Shyvana Nunu en termes de gank et de décalage sur le mid. Il y a plus terrifiant. Très clairement, il n'y a pas vraiment de hard CC. Et regardez, hein, le contrôle des OMG au niveau du dragon, là, est très important. Ils ont décidé de faire reswap leur duo lane. Peut-être qu'ils avaient dans l'idée d'aller chercher ce dragon si jamais les Cloud9 ne suivaient pas. Mais voilà, l'Emanation qui a bien senti ce back OMG, qui s'est dirigé du côté bot de la map, et Sneaky qui a pris son temps pour revenir. Mais finalement, voilà, l'Emanation était là, donc il n'y avait aucun problème. Et les Cloud9, maintenant, qui passent en mode
contrôle de dragon, ou en tout cas on ne laisse pas les OMG disposer de ce dragon. Et peut-être le dive, il n'y a plus d'ulti sur Gogoing, on va y aller, peut-être le sun qui va y claquer Gogoing, il y a encore son flash Gogoing, flash in vers la tour, il va essayer de tanker, et ça va être un first blood pour Lucas. Alors, je pense déjà, moi, que c'est sur quoi on se dirigeait tout à l'heure, mais en décidant de swap, les OMG, à mon avis, ont un peu contrecarré les plans des Cloud9. Mais là, Meteos qui y est retourné, et Bolz a tellement fait un excellent early game, et j'ai du mal à comprendre. Enfin, le Shyvana, là, comme ça, d'entrée de jeu contre le Jax. Le dive est parfait. Au moment de la vague de creep, on fait le dive, on prend le first blood, et derrière, on deny toute la vague de creep, on va la laisser s'enfoncer sur la tour. Voilà, il y a les proxys en attendant, la tour qui tombe, la vague de creep qui est deny. C'est parfait de la part des Cloud9, c'est parfait. Meteos au bon moment, au bon endroit. Ouais, alors il laisse quand même passer une vague avec un sphère canon, mais bon, Glemonation qui a pris dans l'autre dégât. Glemonation va-t-il tomber? Oui. Et donc, regardez Sneaky va tenter de prendre un kill. Le heal de la part des OMG et le passif de la Zaira. Ça ne s'en est tiré à pas grand chose quand même. Bon, il s'est fait attraper là-dessus, Lemon Nation. C'est le danger, hein, avec Zaira contre Thresh Lucian, clairement. Si tu te fais grave, tu tombes instantanément. T'as pas vraiment de moyen de t'en tirer. Surtout que bon, il a croc de givre, hein, voilà, il a pas le targon d'un Thresh. Donc il a pas le moyen d'upgrade vers quelque chose de plus défensif. Sneaky qui va tenter de rester un peu. Allen qui va arriver au corps à corps. Allen. Avec le sang chaud. Il y a le sang chaud, mais finalement, voilà, il y a pas beaucoup de points de vie. Et l'invisibilité du côté Sneaky. Il y a San qui n'a pas voulu suivre. San qui a vraiment pas beaucoup de points de vie. Donc il n'a pas pris le danger, on ne sait pas où est la Evelyn, même s'il y a une pink ward hein, du côté de cette bot lane, on ne sait jamais. D'ailleurs Meteos qui va tomber dernier avec Pomelo, mais la Meteos forcément dans le 1v1 contre un Nunu, il est largement au-dessus, d'autant qu'en plus il a pris un kill. Et Nunu, de toute façon, voilà, on le voit, qui est déjà parti utilitaire avec sa pierre de vision. Là c'est intéressant, Meteos qui est venu justement de ce côté de la carte. Ils ont vu, certes les Cloud9 ont perdu Lemon Nation, mais les OMG ont perdu beaucoup de points de vie, ils n'ont pas pu faire de back noir. Parce que derrière, Sneaky a mis la pression et les Cloud9 arrivent à récupérer ce dragon de façon très intelligente. Là, pour l'instant, ils mènent deux cagoles contre OMG. C'est fait de façon totalement smooth. C'est parfait, il n'y a pas d'erreur et ils déroulent leur jeu pour l'instant. Et ça me fait peur hein, vraiment pour les OMG qui, pour l'instant, sont en train de jouer le jeu. Et la phase la plus dure des Cloud9, limite est passée. Ils arrivent dans une très bonne phase d'épaisse. On a le Jax qui va bientôt avoir sa BOTR4 qui va rouler sur Shyvana très prochainement. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que les OMG n'ont pas pris une. Enfin, certes, si au niveau de la bot lane, ils ont une composition qui peut mettre la pression. Thresh Lucian, c'est fort pour prendre des kills, hein, on va pas se mentir. Mais bon, à côté de ça, Shyvana au top, pas vraiment. Lulumite, pas vraiment. Alors je pense qu'ils ont voulu deny certains pics des OMG parce qu'ils se sont dit bien sûr qu'ils vont pique la Lulu si jamais on la laisse open, mais à côté de ça, ça leur donne une mid lane passive avec un champion plus utilitaire qu'accès dégâts, et peut-être que ça fait le jeu des Cloud9 qui ne se font pas agresser en mid game. Alors certes, après les OMG peuvent aller jouer le team fight, ce qu'ils vont sans doute faire au bout d'un moment, je pense, à moins qu'ils soient tellement derrière qu'ils décident de vraiment laisser passer les objectifs. On a un décalage sur Evelyn là qui va tomber Noané avec Xian qui va se préparer pour un sandwich avec Gogoing et Meteos qui n'est pas bien, qui se fait ramener par Gogoing contre le mur pour éviter un éventuel flash out d'escape. Massacrer Meteos là-dessus. Et j'ai un petit peu peur. Regardez Link en bas là, il se balade. Non, il décide de retourner. J'ai vraiment peur que si jamais les OMG restent un peu trop loin derrière, ils manquent cruellement de DPS parce que ils ont beaucoup d'utilitaires. Et il y a du disengage chez les Cloud9, il y a Jax au bout d'un moment qui va être tanky, il y a Meteos au bout d'un moment qui va être tanky, en plus il y a le heal de Link, il y a l'ulti de Zaira pour disengage. Si jamais ça se passe mal, ulti Zaira disengage, les OMG n'auront pas le DPS pour burst down quelqu'un, et après ils pourront se retirer et reprendre une phase de POC. Mais les OMG ont une composition qui est intéressante en termes de siège, je dirais, Lulu qui wave clear bien, pareil pour Lucian. Et derrière, voilà la tour qui peut se faire agresser, notamment par le double hit du passif du Lucian. À côté de ça, bon, les Cloud9 qui ont tout de même les spires de Nidha hein, pour tenter d'empêcher les OMG d'avancer. Mais il y a beaucoup de tankiness côté OMG, donc il faut voir. Les OMG ont des atouts, mais pour l'instant, le go-in de la part de Boz avec l'ulti de Meteos qui a été lâché. Et la ulti sur go-in, ça fait la deuxième fois qu'ils tament leur agression sur une absence d'ulti. Mais là, il y a Pomelo okay, là, qui va venir caler le 1-0 absolu. Mais ils arriveront, attention, le décalage de Link, le décalage de Lulu.
et on va en rester là. Pas de kill de part et d'autre qui seront pris dans cet affrontement. Et l'OMG, ça y est, qui ont arrêté de se faire distancer au niveau des goals, qui arrivent à coller au niveau du score. Sneaky et Lemonation attendent qui vont profiter pour aller prendre le red buff, le donner à Sneaky pour essayer de mieux contrôler cette lane. Et pour l'instant, ce Twitch qui arrive extrêmement bien à farm chips. Ben, sincèrement, Lemonation lui a donné beaucoup d'espace en early game grâce à sa capacité à bien contrôler la lane, à bien se positionner. Et derrière, c'est Twitch, voilà, il a BOTRK maintenant et il va commencer à pouvoir faire peser de la pression. Mais les Cloud9 n'ont pas encore pris assez de tournois dans cette game. C'est leur seul petit problème, on va dire, sinon tout roule de leur côté. Il va falloir qu'ils prennent la T1 au mid et en bas, et derrière qu'ils arrivent à bien gérer sur les justement sur le contrôle des lanes au niveau du push des creeps pour faire en sorte peut-être de laisser isoler un carry de OMG sur une lane et de l'assassiner derrière avec le Twitch. Faudra faire attention quand même au TP du côté de GoGoing, mais Bolz a de quoi suivre également. Bref, ça risque d'être vraiment passionnant ce mid game. On est à 15 minutes de jeu. Petit avantage Cloud9, enfin petit, assez sympa quand même. Spire, attention, Linky par agression, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas moyen qu'ils se tuent les deux sans l'intervention de Météos. Encore une spire qui touche. Très joli spire. Et là, la pression qu'il met à Xiang. On n'a pas l'habitude de voir Xiang. Il va pouvoir farm, il va pouvoir vraiment clear extrêmement rapidement cette vague de creep, mettre la pression. En plus, Pomelo n'est pas là, donc ils vont pouvoir mettre un peu de dégâts sur cette tour au mid. Ce serait très intéressant qu'ils arrivent à la prendre. Et d'ailleurs, Météos, il va tout de suite venir essayer d'appuyer ce push. Et la tour au mid qui va être prise. On va pouvoir commencer à se balader dans la jungle du côté des Cloud9. Ah, alors là, vraiment, ça sent bon côté Cloud9. Ça sent très très bon. Regardez Bolz. Regardez Bolz au speed push contre GoGoing. Ce qu'il arrive à faire. Il y a la BOTRK, là GoGoing ne pourra plus gagner vraiment son match-up. Il y a d'ailleurs Link avec la spear qui va arriver et le disengage de GoGoing. On a Xiang qui est venu essayer d'aider. Et là il faudrait clean la dernière pink ward d'ailleurs qui est ping par Link. Voilà, clean cette pink ward, prendre un moment de contrôle et sanctionner les décalages. Oh là là, attention de l'énergie de la part de Zaira. Mais Sneaky a été attrapé par les OMG et va tomber. Excellent gank de leur part, le gank à la lanterne. Bon, avec un Nunu, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça peut complètement passer. Et là, les OMG viennent de nous en faire la démonstration. Par contre, c'est dommage qu'ils aient pas gank une minute plus tard. Moi, les OMG, ils auraient pu s'emparer du dragon dans la foulée. Mais au moins, là, ils obtiennent la tour. On prend ce qu'il y a à prendre. Ils obtiennent la tour, on est complètement d'accord. Attention, l'agression de Ling sur Xiang maintenant dans le match, il est extrêmement bien. Météos qui va arriver aussi. Petit Xiang, mais il n'avait pas prévu ça. Et ça finit, aucun danger. Pomelo n'est pas encore là. Et Xiang qui va sûrement tomber. Xiang, putain. Link qui tue Xiang là-dessus. C'est extrêmement bien joué. Tandis que Bolz a mis beaucoup de pression au top. Il va retourner sur cette top lane, justement sur le quasi-retour du dragon pour mettre la pression sur GoGoing et faire en sorte que le joueur chinois ne puisse pas TP tout en ayant pu équilibrer sa lane, voire la remettre en faveur des Cloud9. Et de toute façon, dans cette première tour côté Cloud9 au top, qui est toujours présent pour moi, donc dans tous les cas, les OMG ne pourront pas passer au niveau des creeps tant qu'ils n'auront pas tenté de mettre... plus de pression avec ça peut être très bien. Là, Bolz, voilà, Bolz, il n'est pas en train de freeze, il est en train de fast push la top lane parce qu'il sait qu'il y a ce Drake qui est là. Et il y a ce qu'il va décider de faire la prochaine. Oui, il a son TP, il va décider de faire la prochaine. Et là, il joue contre la montre, les OMG. Ils savent qu'ils sont obligés de prendre une décision rapidement. Et Shyvana qui, voilà, et Shyvana qui repart au top. Ils ont vu Bolz en train de mettre la pression et il va pouvoir push. D'ailleurs, faire un TP si les Cloud9 engage et la lane sera parfaitement tranquille. Il peut être en premier. Attention, on a un catch de la part de Lemon Nation avec Météos derrière. Le TP, oh, le sur, TP la plante. Sur la plante. Attention, mais un peu tardif. Pas forcément bien talmé là, du côté de Bolz, mais c'est pas grave parce que il a ce qui les intéresse, je pense que c'est le dragon. GoGoing est obligé de rester un peu. Regardez Cloud9 qui prennent la petite fenêtre de temps qu'il aurait laissé. Attention, le poke de la part de Stan. Le sur Bolz. Ils vont tout mettre sur Bolz. Ils vont essayer de le défoncer. Bolz qui va utiliser son esquive pour s'escape. Oh, l'arrivée. Il faut qu'il les engage. Sneaky isolé. Sneaky mal positionné. Sneaky va tomber. Les OMG prêts. Le hook sur Link de la palette. Le bump derrière. Et c'est les kills qui sont pris. Et en attendant, Lemon Nation qui arrive quand même à sécuriser un kill, mais qui va tomber. Attention au passif, mais il n'y a pas assez low life. Le doublé de la part de Xiang, moi et les Cloud9. Alors voilà, on a senti quand même un certain manque de tankiness là.
ils se sont fait catch par les OMG qui avaient réussi à... On se souvient, la game Fnatic contre OMG, les Fnatic avaient joué le POC et les OMG avaient complètement réussi à... Ils avaient détruit les Fnatic. Et le dragon avec pour les OMG même qui reviennent dans la game. Vraiment, ils avaient gagné avec ce même Nunu. Et là, le très bon engage de San à l'ultimate, Pulse qui s'est fait hook et l'arrivée de Gogoing et l'ulti Zaira qui ne suffira pas Sneaky, malheureusement. Sneaky, mais là, qui n'aurait pas dû retourner dedans. Il a fait un ou deux pas de trop. Il aurait dû se retourner, donc partir du côté... De l'autre côté du rocher, c'est vraiment dommage. Les OMG là qui font parler, je pense, vraiment leur compétition à ce moment-là de la game. Les Clannon n'auraient pas dû prendre ce risque, à mon avis. Ils n'ont pas laissé Link mettre en place son POC. Ils se sont un peu trop précipités. Ça permet aux OMG de revenir dans la partie avec Gogoing qui met la pression au top, justement. Il va libérer un peu sa top lane. Et il y a Thresh qui va... Allen qui est là pour essayer de lui faire perdre du temps. Est-ce qu'il va pouvoir mettre un hook? Non, c'est bon. Il aura le temps de défendre sa tour. Et on va avoir le disengage de la part de Gogoing qui ne tient pas de toute façon le match-up. Au niveau des golds, on n'a pas trop eu le temps de voir, mais j'ai vu que les deux solo top étaient environ à 200 golds d'écart, soit à peu près rien du tout. Donc pour l'instant, c'est très équilibré. Voilà, égalité au creep. De toute façon, et pour l'instant, les OMG, alors qu'ils s'étaient fait une petite frayeur en early game, qui était vraiment un petit peu derrière, mais là, ils ont réussi à complètement revenir dans la partie. Et pendant leur temps fort, pendant je pense. Fort. Et voilà, il faut qu'ils continuent. Tentative de steal, enfin de sauvetage du blue buff à la spear, ça ne marchera pas. Et il faut qu'ils prennent un peu de map control dans cette jungle, les OMG. Attention au dive sur San qui se retrouve à 3v1. Ils ont justement un Pomelo qui est parti sur Sightstone. Alors, est-ce que ça a passé du côté Cloud9? San, Meteos, à quand l'ulti? À quand l'ulti, Meteos, il va pas le mettre. Si, il me le met. Si, il le met juste après le dash. Juste après le dash, c'est bon, très bien fait. Et ça suffira, oh, et ça suffira. C'est magnifique. Il a attendu San jusqu'au dernier moment. San qui ne pouvait plus clear du coup les slow, on vous rappelle hein, c'est une des particularités du dash de Lucian et Meteos a extrêmement bien joué le coup. Les Clannon qui sécurisent la T2, excellent tree dive de leur part, et là voilà, ils commencent à faire parler leur composition à base de furtifs. Ils ont énormément enfoncé la bot lane, ils se sont ouverts beaucoup d'espace là noir justement pour que leur personnage invisible puisse s'exprimer. Et ça permet à Jax de rester dans son match-up 1v1, ce qui est complètement à l'avantage des Cloud9. Pour l'instant, quand même, les Cloud9, bah, toujours, hein, c'est fidèle à eux-mêmes. En termes de rotation, en termes d'objectifs, ils sont vraiment impeccables. Et si ça finit par passer, le style de Link, il les a tenté une fois, il l'a tenté deux fois, et le troisième, c'est la bonne. Attention par contre, Bolt qui s'est fait attraper par Xiang, qui va utiliser un ulti sur Google, il flash, disengage, le flash out. Oh, Xiang, le flash-in. Quel flash-in de la part de Xiang là-dessus, qui prend le kill. Et alors, les OMG qui ont l'air de ping la top lane, quel va être leur choix? Les Cloud9 qui sont très forts hein, pour rendre coup pour coup à leurs adversaires sur la map. Petit... Tentative de route, ouais, Allen qui passera à côté tranquillement. Et regarde le map control des Cloud9 dans la jungle des OMG. Je ne vois que ça. Ils voient absolument tout. Et ils vont voilà, vraiment pouvoir commencer là. Il faut qu'ils continuent à agresser, à continuer à faire ces bonnes rotations. Très bien, t'envoies 3 personnes au top, bah je te prends ta bot lane. T'envoies 2 personnes au mid, je mets 2 personnes en haut, 2 personnes en bas. Mon Jax, il est tranquille et il continue de farm et il continue d'essayer de snowball. Et si jamais on arrive au late game, tu vas avoir du mal contre mon Twitch et contre mon Jax. Oh, les OMG qui vont tenter un trap là. Alors c'est intéressant, ils s'attendent à ce que Sneaky fasse des plays. Peut-être Link, Sneaky est présent. Sneaky qui se retourne, mais qui n'attrapera personne avec sa petite bombe. Très bien, pour l'instant les OMG... Il va falloir qu'ils trouvent des ouvertures quand même. Ils ont de quoi engage vraiment, leur compo est très forte. La Shyvana Lu, ça fait le travail. Le cash sur Gogoing avec un route de Lemon Nation, la catalyse de Sneaky. Et il va Sneaky, il est Meteos qui s'est fait attraper. Sneaky qui va tomber finalement. Lemon Nation qui va être un bon ulti pour essayer de sauver son AD carry, mais ça ne suffira pas. Encore un kill sécurisé. Mais certes, on vous l'avait dit, d'un côté Cloud9 pour les objectifs avec des tours, avec des dives, mais de l'autre les OMG qui mettent 4 kills d'avance au Cloud9. On est sur deux stratégies complètement différentes avec la bonne spear de Link dans la tronche d'Alen. Ouais, c'est pas mal ça, mais voilà, le problème c'est que les Cloud9, c'est dommage qu'ils concèdent quelques kills comme ça. Bon, Bolz mettait la pression tout à l'heure au top, donc ça à la limite, c'est pas très grave, c'est du Darien style j'ai envie de dire. On sait que ça peut marcher et voilà, t'attires plusieurs joueurs OMG, mais il faut faire la différence ailleurs, clairement. Et là, c'est dommage quand même que Sneaky se soit fait catch. Les Cloud9 qui voulaient prendre de la vision, mais ils n'avaient pas spécialement de raison de se risquer à se mettre à porter tout simplement d'endroits non où ils n'avaient pas justement d'informations, parce que le dragon n'est pas encore là, il n'y a plus de tour au mid. Ils n'ont pas besoin de se commit à certains moments s'ils sentent que c'est risqué, noir. Par contre, là, il va falloir commencer à réfléchir justement à ce dragon. Donc, quel va être le choix des Cloud9? On a vu qu'en teamfight, l'OMG, pour le moment, s'imposer.
Ils ont une grosse compo pour 100 mid game, très tanky, c'est clairement ce qui manque au Cloud9. Il y a un peu plus de DPS chez Link et ça va vraiment dépendre des spears. Est-ce que oui ou non, il va y avoir une ou deux bonnes spears sur Xiang, sur Sad? Les Cloud9 ne peuvent pas engager sans de façon brute, voilà. C'est ça, c'est de, en frontal pur. Si bon, il s'empale. Attention, Allen qui va se retrouver face à Balls. Et Balls n'a pas décidé d'y aller finalement. Et le hook qui n'est pas passé très loin. Là, les Cloud9, ils ont frisé la catastrophe. Encore une spear qui ne touchera pas. Et ils tentent le trap à base de pink ward. Mais ils sont vus, on a une dans le buisson juste devant eux. Ah, vraiment, les OMG qui obligent les Cloud9 à sortir. Ils veulent pas les laisser pog. Le grab de la part de Allen sur Balls, c'est très bien joué. Regardez Gogoing, il tanque énormément. Lucky qui est par-dessus. Gogoing qui va entamer le chase. Vont-ils pouvoir attraper quelqu'un d'autre, les OMG? Non. On va s'en retourner du côté du Nashor. Et ils vont essayer de mettre la pression là, l'OMG. Et peut-être d'amener les Cloud9 à faire une autre encore erreur. Encore sur un bon hook de la part d'Allen. Et voilà, cette fois-ci, Link qui va mettre en place son poke, qui va passer derrière le Nashor. Et on le sait, là, il a un angle de tir parfait. Juste ne pas se faire ouf, ne pas se faire flashing de façon complètement agressive. Et Lemonation qui va essayer pareil de placer un petit quelque chose. Ils n'ont pas de BOTRK, les OMG. Hein. Ah, mais bon, ça tombe peu à peu. C'est lent quand même, c'est très très lent. Link, on veut une spear s'il te plaît mon petit Link. Il faut la bonne spear, il faut pas laisser filer ce Nashor. Ils sont toujours en train de le faire, attention, on a le TP de Boss qui va revenir. Et ils vont engager maintenant les Cloud9, c'est parti. Pas de steal, c'est pas grave, il faut prendre du kill maintenant. Un OMG qui est tombé, San qui est dans la tourmente, Météos, la spear de Link. Pomelo qui est au Pomelo qui prend. Il a son flash à pouvoir s'en tirer. Link, non, il n'a pas trouvé l'ouverture pour jump. Un ça y est, mais c'est un mort. Peu tard. Il fait activer son passif, mais le menu est déjà beaucoup trop loin. Il a réussi à se fondre dans la jungle. Un seul mort, ouais, pour les OMG. Ils ont pris le Nashor. Bon, c'est vraiment la mauvaise opération là pour les Cloud9. Après, OMG n'a qu'un tout petit peu d'avance au niveau des golds et Météos qui va même redonner l'avantage. Ils vont se consoler, ils vont se consoler avec ce dragon effectivement. Et vraiment ce Drake extrêmement ballsy de la part des OMG qui veulent forcer les Cloud9 à du teamfight, qui veulent vraiment prendre l'avantage sur n'importe quel micro chance. Et on a 200 golds, 100 golds même d'avance uniquement pour les Cloud9. Cette partie qui est extrêmement serrée, on vous avait parlé d'un 2-1, c'est fortement possible que ça s'oriente de cette façon là. Mais attention au late game avec un Jax, avec un Twitch. Toujours extrêmement bon et toujours Zenila qui est en train de monter en puissance, qui a maintenant son bâton du vide, Chips. Et elle va commencer à faire mal un peu, il lui manque son Rabadon et après bon, une Nida, 3 items comme ça. C'est le core build en général, c'est le moment à partir duquel tu commences à faire assez mal. Bon, les Cloud9 n'ont pas encore assez de tankiness et il y a toujours ce facteur Nunu quand même qui est très gênant pour le Jax avec sa réduction d'attaque speed. Bon après il va devoir choisir entre Jax et Twitch, mais je pense que le plus facile à attraper pour lui ce sera clairement le Jax. À partir de là, pour Bol, ce sera pas facile d'être hyper efficace en teamfight. Il va lui falloir vraiment quelques items défensifs pour qu'il puisse commencer à peser. Sinon, il va en permanence se faire slow. Bah, il va là, pas il pouvoir va. Poser là, de dégâts. Façon, il a pas besoin de plus de dégâts. Là, derrière, c'est du Randuin. Derrière, c'est du Banshee. Plus du Banshee en premier pour commencer. Ouais, il y a vraiment énormément de dégâts sympa, à payer en face. À part Lucian. Et Lucian, c'est vraiment pas lui dont il a peur, hein, Jax. Et l'auto-attaque du Thresh. Ouais, bon. Concrètement, je pense que ça ne marchera pas très bien. Et pour l'instant, le Twitch, certes, qui a un bon score de farming, mais qui se fait retourner dans les teamfights sneaky, qui n'arrive pas à trouver un bon angle de tir. Et après, forcément, ben, il n'y a pas de pick utilitaire comme d'habitude sur Link. Il n'y a pas de Rihanna, il n'y a pas de Lulu pour essayer de le protéger. Et Lemon Nation qui met toujours un outil, vraiment un outil d'urgence pour essayer de survivre. Et ça reste Gogoing, bon, c'est Shyvana, ça tente. Il a son ulti. Il n'a pas son flash, mais voilà, aucun problème. Il va même se retourner sur Météos. Et pendant ce temps-là, les OMG ont vu que c'était un 2v1. Forcément, instantanément, ils vont enfoncer la tour du mid. La spear qui ne touchera pas de la part de Link. Et le gage à la lanterne. Oh, c'est agressif, mais regarde, ils sont calés dans l'ulti de la Zyra de Lemon Nation. La tour qui a été prise par Bolz au top. Regardez Gogoing qui a TP back pour aller défendre sa tour d'imiteur, tandis que les OMG mettent la pression au mid. Et mais vraiment, cette excellente game, défense. Ouais, cette game qui est pleine de, on va dire, de choix totalement cornéliens pour les équipes. L'OMG veulent pas laisser quelqu'un d'autre que la Shyvana sur une lane parce qu'il y a le Twitch et la Evelynn. Donc ils sont obligés de forcer à 4 des pushs. Mais du coup, voilà, Gogoing qui se fait de l'autre côté counter split par Balls. Du coup, les OMG se disent, ok, on est en supériorité numérique. On avait le Twitch en bas, il y a le Jax en haut, donc on va mid. Et du coup, les deux équipes qui doivent vraiment jouer à base de juste le positionnement sur les lanes qui est hyper important.
et les Clannad vraiment qui sont très prudents. Hein. Ils savent que le MG vont tenter tous les traps du monde, vraiment tous les traps du monde, histoire de les attraper, parce que ils ne vont pas se découvrir, ils vont toujours essayer de jouer le POC, de jouer la rotation, de jouer l'objectif. Le but des Clannad pour l'instant, c'est clairement d'éviter le teamfight, le but de MG, c'est de le provoquer, et pour ça, tous les outils sont bons, avec Pomelo, qui grâce à son sang chaud et une bonne mobilité, essaye de créer et voyez, le problème. Les OMG, on a la Shyvana au top, au mid, Allen Pomelo, deux champions que t'as pas envie de tenter l'embuscade avec un Twitch, et au bot, la Lulu avec le Lucian. Jamais donc se balader tout seul, comme tu l'as dit. C'est vraiment une répartition qui est très intéressante là, et les Clannad, faut qu'ils trouvent l'ouverture là-dedans, faut qu'ils trouvent le moyen de mettre la pression. Les OMG ont ramené toutes les lanes en même temps du côté de la base des Cloud9, donc c'est extrêmement bien fait. Ils mettent la pression sur quasiment toutes les tours en même temps. Le défi est total pour les Cloud9. Il faut tenter de résister à la pression imposée par les Chinois. Regardez l'ulti de la part de San. Attention, il y a Twitch, il y a Sneaky qui est là, qui pourrait essayer de faire un catch, et on a toute la transition. Il y a tous les OMG qui sont en train d'arriver. Ils savent que Jax est au top, ils savent que Jax n'a pas encore son TP. Je suis sûr, les OMG time tout. Et ça, ils l'ont timé, ils ont une petite fenêtre de tir et ils vont essayer de la prendre. Ils vont faire tomber cette tour et Jax qui est encore loin de la tour de la top lane. Il y a un objectif gratuit, très bonne opération là-dessus de la part des OMG. Ah, il est loin, regardez, il y a le TP back instantané. L'OMG qui à chaque fois gratte du temps et puis derrière il TP back pour défendre contre Ball. C'est un véritable jeu d'échecs là entre les deux équipes et c'est à celle qui craquera en premier sur un joueur envoyé au mauvais endroit. C'est une game extrêmement stratégique. C'est quel joueur va se faire attraper hors de position. Et pour l'instant, il n'y a aucune erreur, comme tu as dit, ça, sur une game de 30, 40, 50 minutes, ça risque d'arriver. Et le Twitch, moi je vois bien le Twitch qui attend son moment. Là, ça y est, il a un bon DPS, hein, il a maximisé sa vitesse d'attaque, il a son dernier souffle. D'ailleurs, il rajoutera peut-être une lap d'infini, un voile de la Banshee, et il fera vraiment des dégâts monstrueux. Mais juste la BOTRK, s'il tombe sur le coin de la tronche de San, ça peut suffire à faire le taf. Et d'ailleurs, comme ils l'ont montré les OMG tout à l'heure, San ne se déplace jamais tout seul. Il a toujours son escorte personnelle. Il a ses deux bodyguards avec Allen qui l'a à la lanterne, qui scoute au cas où. Si jamais Allen a un problème, il met la lanterne derrière lui. Il y a Chiang qui peut venir pour la prendre pour essayer de le rejoindre. C'est vraiment trop marrant de voir comment ils avancent, l'OMG. Tu sens vraiment que le chemin est totalement miné. Hein. Les Cloud9 qui vont être engagés avec Bolz là. Bolz qui commence à avoir un peu de point de vie là, qui va stacker. Bouchon et Monation, c'est pas le départ. Mais il n'y a pas le follow-up. Bouchon n'était pas en position, malheureusement, sinon il réclame un gros ulti et il le tente à travers l'ulti Lucian, mais ça n'aura absolument aucun effet. Cependant, voilà, un shield, un coup, c'est allez, laborieux, Lich. Mais ils finissent par avancer. D'ailleurs, il y a le fléau de la Liche qui est en préparation sur Xiyang, ça va grandement aider dans les phases de siège. On est d'accord, hein. Là l'OMG qui arrive à mettre beaucoup de pression sur les Cloud9, bien regroupés maintenant, tandis que regardez la lane du mid push en leur faveur également. Ils sécurisent cette tour, 6 tours à 5 en faveur des Chinois. Le bot push par contre pour Cloud9, mais nul doute que les OMG vont pouvoir se repositionner. Ah, quoique le Ashor va revenir. Il y a un Ashor, il n'y a pas de map contrôle. Alors, il y a une ils ont une pink, les qui a survécu, on ne sait pas trop comment, mais elle a survécu dans cet enclos du Ashor. Il y a un dragon, il y a un Ashor, et là, il n'y a pas de vision du tout de la part des OMG, à part cette dernière pinkwa. Donc il y a des fake-shakes qui vont être obligatoires, quasiment il y a des risques qui vont être obligatoires. Et d'ailleurs, en parlant de fake-shake, Pose qui s'est fait où Pose dans la tourmente, ils vont peut-être essayer de tout lui mettre. L'ulti de Gogoi, ils sont split, les Cloud9 ils sont split, ils ont chopé Meteos maintenant. C'est la Bérésina dans le teamfight des Cloud9. C'est extrêmement embêtant, Bolt risque de tomber là. Oui, ça y est, c'est Chiang qui va prendre le kill. Derrière, Meteos qui est agressé par deux joueurs de l'équipe chinoise. Doublé de la part de Chiang. Les OMG ont forcé les Cloud9 noirs à faire ces fameuses erreurs de positionnement. Peu à peu, hein, avec intelligence, ils les ont amenés donc à se découvrir et derrière, ils prennent l'initiative de les agresser. Mais quelle partie de leur... Oh là là, ça ne se joue à rien. Oh, ça joue vraiment à rien. Attention, Allen qui arrive. Link qui va tomber pour cet affront d'avoir pris la vie du support adverse. Qui passe en godlike avec 7 kills dans cette game. Et le Nashor, hein, du coup, pour les OMG, qui est totalement logique après. C'est, encore un free check, mais derrière, ils n'ont pas le choix. Il y avait tellement de map. Enfin, le map contrôle est tellement bon de la part d'OMG et les Cloud9 sont tellement sevrés en fait de vision. Et derrière, le truc, c'est en plus, il y avait Lemonation qui avait déjà préparé. Ils se disaient, ils sont déjà au Nashor. Et ils avaient déjà préparé leur stratégie pour passer par derrière, pour commencer à POC. Et le Nashor a été pris par les OMG.
Quel game d'un niveau stratégique exceptionnel, Chims, de la part de cette équipe. Mais l'OMG qui réplique parfaitement à la stratégie Cloud9. Vraiment, c'est sans défaut. Et on va enchaîner sur un dragon du côté de l'OMG. Et là, il commence à s'envoler au niveau des goals. On va bientôt avoir 7 cagoles d'avance mais pour l'OMG. Les Cloud9 qui commencent à craquer. Mais ce n'est pas fini. Ils ont une compo qui leur permet de remonter. Ce qui va être drôle, c'est vraiment que les deux demi-finales, je pense, n'auront strictement rien à voir en fait. Ah ouais, on a une parce qu'à mon avis, celle entre les SKT T1K et les Fnatic, on peut s'attendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de kills. Enfin, des games à kill, et entre Cloud9 et OMG, c'est plus stratégique. Voilà, ça se fait plus sur le mind game, sur la tactique pure. Alors, Meteos en embuscade, qu'est-ce qu'ils veulent faire les Cloud9 là? C'est sûr qu'ils veulent utiliser la puissance de leur furtif. Ils ont vu Allen se battre dans la jungle, ils vont le suivre. Ils vont rôder derrière lui, ils ont envoyé les chiens noirs pour trouver la piste de Allen, mais Gogoing, ils l'ont pas trouvé. Qui est mis? Il y a une ward, ils le savent. Ils vont juste prendre le blue buff. Mais attention par contre. Attention, on prend la lanterne, on va essayer de faire un trap. Ils ont attrapé Meteos. C'est bon, les mecs, on en a un. Venez, on en a un. Ils l'ont, Meteos. L'ulti de Lemon Nation, mais ne pourra pas sauver Meteos qui va tomber. Cette ward, juste cette ward au blue buff, l'OMG qui avait senti venir le coup, elle était toute récente cette ward, et il domine tellement la game qu'il n'avait pas spécialement de raison d'en mettre là, à part si ce n'est pour ce qui est d'avoir anticipé en fait ce type de situation. Et Bolz, regardez, qui était top, qui n'a pas pu intervenir, il avait son TP, non il n'avait pas son TP. Non, il avait rien, et c'est vraiment ça, c'est les... Les lurkers, ils cherchent dans la jungle la moindre proie qui se serait aventurée. Il était up son TP à Bolz, mais je suppose qu'il s'est dit que ça valait pas le coup d'arriver là, que c'était déjà perdu en quelque sorte. Ah, Bolz avait son TP, oui. Ouais. Non, je pensais que tu parlais du flash de Meteos et il ne l'avait pas. Non. Alors, les OMG du coup qui se positionnent sur la bot lane, Meteos est tombé et ils ont un bon siège. Le tanky de Pomelo et cette tour qui va tomber, la brèche qui est faite dans la base des Cloud9 de la part des OMG qui vont maintenant enchaîner sur le premier inhibiteur de la partie. Les OMG sont extrêmement bien dans cette game. Un peu de poc là, voilà, c'est bien fait, Noah, côté chinois, le 1v1 entre Bolz et Gogoing, forcément qui tourne à l'avantage du Jax. Est-ce que Bolz pourra sauver son équipe de la défaite? Je sais pas. Il semble quand même très loin au niveau des goals, l'OMG. Il pourra pas dive, il pourra pas forcer la Shyvana à lâcher. La Shyvana, au pire, elle reste sous sa tour. Elle tiendra le coup, elle a une B8RK, un Randuin, enfin franchement il tank, certes, en termes de trade pur, s'il se frappe en 10 secondes, enfin s'il s'empale en 10 secondes sur le lampadaire du Jax, dans 20 il va pas tomber, mais bon. Dans 20 minutes, je dis pas, mais pour l'instant il y a tellement d'avantages au stuff, il a envie de prendre l'avantage, et il va flashing, la B8RK, il est sous forme de dragon, et Bolz qui prend vraiment complètement cher, il y a Lulu qui arrive en plus, Bolz qui va essayer de s'escape, mais là il va prendre un boost de vitesse, Gogoing, pendant ce temps-là, le MG qui engage le fight avec Sam, qui prend un kill, Meteos qui va tomber, qui met tout sur Sam, non. Mais regardez le grab de la part de Alex, Sneaky qui avait été ramené dans le zéro absolu, le kill qui a été pris derrière Sneaky, attention, il y a le sang chaud, il va très très vite là-dessus, Sani qui va se retourner, qui va essayer de one-shot, mais Link qui va se faire attraper, le double coup, Sam qui fait un bon intel attaque, et le kill qui est sécurisé par les OMG qui sont en train de s'imposer dans cette game. Waouh. Franchement, quelle belle game de la part des OMG. Les Cloud9 n'ont pas démérité, mais ils sont tombés sur une équipe stratégiquement vraiment au point. Là, les OMG qui ont déjà pris l'inhibiteur du bas, qui vont se concentrer sur les deux autres. Trois inhibiteurs de tomber. L'OMG qui vont sans aucun doute remporter cette partie. Quelle maîtrise! Ils vont pouvoir, alors je sais pas s'ils vont pouvoir finir maintenant, mais quand bien même ils ne le feraient pas, il y a 3 inhibiteurs. C'est parti, ils vont y aller, et ils vont essayer de prendre le kill sur Lemon Nation. Est-ce que c'est suffisant? Oui, le kill qui est pris sur Lemon Nation. Il ne reste plus qu'une tour. Et ça va tomber. Victoire de OMG donc, le Nexus Titan. Première victoire des OMG. Plus de bruit pour les vainqueurs, s'il vous plaît. Première game pour les OMG, mais qu'est-ce que c'est serré, Chips, ça se joue à rien du tout, vraiment rien du tout. Les Cloud9 qui en early game ont été brillants par leur rotation, une domination complète aux objectifs. Mais l'OMG ont su prendre ce teamfight au dragon, derrière ils ont su prendre du map control, les Cloud9 étaient un peu à poil au niveau de la vision. Et ils sont fait catch par Allen notamment, qui a fait d'excellents grabs. Encore une fois, Allen à la pointe de l'engage côté OMG. Et ce BO3 qui commence sur les
chapeau. Ce chapeau de roue, Chips. Chapeau de roue, tout à fait. Avec une très belle victoire des OMG. Mais Cloud9, je pense qu'ils peuvent. La prochaine, ils peuvent le faire. C'est très tendu, c'est très tendu. Et là, il y a eu une bonne phase de draft. Hein. Ils ont vraiment retiré cette Lulu. Mais ils ont équipes, bien fait. Du côté des deux équipes, c'était intéressant la phase de draft parce qu'il y avait de bonnes idées de part et d'autre. Et sincèrement, les OMG ont réussi à mieux tirer parti de leur composition. Ça se joue vraiment à rien du tout, hein, cette game. Ça se joue à des détails, ça se joue à des catchs. Qui snowball, une bonne, qui font que les OMG, quand même, à la fin, le maîtrisent mais leur capacité à ne jamais rester isolés. Push toutes les lanes en même temps, réussir à contenir le speed push de ball tout en supprimant tout le map contrôle adverse. Franchement, c'était hyper propre. Et ça s'est vraiment, ça s'est fini de se décider à ce Nashor, effectivement, où ils ont mis, ils ont fait leur phase de siège, leur phase de rotation. Ils ont entendu que toutes les wards se clean du côté des Cloud9. Derrière, et c'est plus qu'une pink, ils l'ont clean. Et voilà, le fake shake de balls, comme tu l'as dit, ça a coûté, on va dire, la fin de la game au Cloud9. Mais déjà, qui était pas bien, on sentait qu'ils étaient en train de se faire asphyxier pour le MG, qui mettait une pression constante. Et après, c'était vraiment la chasse. Dès qu'ils voyaient un Cloud9 quelque part, ils le dégommaient. Et du coup, on va bientôt retrouver le bureau d'analyse de Los Angeles pour voir un peu leur avis hein, sur cette game. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Chomping at the bit, because the very first thing we want to talk about is the picks and bans, is the composition, and is the game plan that both of these teams went into the match with. I would like to remind everybody that on the side of Cloud9, they banned out three mid lane champions. They banned Syndra, they banned LeBlanc, they banned Kassadin. On the other side, OMG made Meteos their very strong focus. They took out Kha'Zix and Elise. And his Jungle as Morgana. As well as Jungle Morgana, of course. Denying that from Lemonation. But a clear strategy. I want to actually talk about the pick order. If we can pull that graphic up onto your screens right now, what we're going to do is break down the picks and bans of each of the respective teams. Monty, you were not completely sold by the Nidalee pick. Crepo, you were not completely sold by the Zyra pick. Monty, kick us off. Yeah, the Nidalee pick is awkward. I'm never a fan of Twitch and Nidalee in the same composition because you just can't siege with Twitch, and that's what Nidalee is best at. So basically, you have to set up for a hard CC onto a target so Nidalee can hit with the spear, and then you can set up the pick. I think here also, Link did get an advantage in lane because Xiang didn't play that well in the laning phase, but Twisted Fate, I think, would have been much better for this composition because you want to split push here. You want to create the picks with Twitch and Jax in the side lanes. And they could have used that Twisted Fate mobility to just continually pick up kills and never even allow the team comp from OMG to group and team fight in the first place. One thing also that they could have done in a different sense is when we saw the team was actually break out, OMG forcing the 5v5s, you know, CLG taking a dragon they shouldn't have, they had every opportunity to, instead of grabbing Evelynn on Meteos, take the Lulu here for Link, because Jax died at the beginning of basically every fight without having real support there, and like Lulu would have worked in that situation. The fact that they went early Evelynn, like, I know Cena always just like pick the same champion over and over again, but what if Meteos' champion pool is actually only three champions and he had to get that one? Yeah, well, I agree with what's being said so far, especially the part where Nidalee shouldn't get as much of a lead against Xiang's Lulu here. I think we've seen enough of these champions already, so we can call the graphic down as we continue. That's right. Give the fans what they really want. Crepo. Yeah. Yes, exactly. on the topic of Zyra, I think within this composition, she was a good pick because they desperately needed to disengage. And ideally, what you want is whenever an overeager Shyvana jumps in, you place the Zyra ulti, zone their enemy team out. The thing is, OMG played around that pretty well, and the reason I don't like Zyra is because I feel if she ever gets soaked in lane, she's dead immediately. The only exception is that Twitch is actually pretty good at dealing damage for two on lane. But you could still see, even after a bad trade level 1, Lucian got chunked down all the way down. But still, Alan and Sun together, they just lane really well. I still don't agree that they gave Sneaky Twitch, though. They should just get rid of the Twitch. Yeah. Get an early Lucian, especially now, well, on blue side. How can you say day. That? It didn't matter. He was caught out of position. So, he was jumped on. But that's because Cloud9's vision control was lacking, and I feel both teams didn't play up to snap. I don't think OMG was so much better than Cloud9. I feel Cloud9 just dropped a metaphorical vision ball, and just at one point, Jax based, and he didn't sell his Dorans for wards. If I'm a support and I'm looking around the map, like I'm trying to ward everything, and I see my team just having Doran's items 20 minutes in the game and not wards, sell those Doran's items, buy wards, save lives, win games. Well, the thing is, Cloud9 also made the mistake Fnatic actually made against Cloud9 when they had the Nidalee pick. They started up the dragon when OMG is actually nearby. They're going for the team fight, and of course they lose it. And we talked about how OMG's comp here
if they get one kill in a teamfight, they will chase you forever because they're so mobile. Nunu is fast, Shyvana is fast. Everyone can just chase after you. And that's what they did. So big mistake by Cloud9. That's where they actually gave over the map control to OMG as well. Right. And that's the crazy thing about this is that they were actually winning both of their solo lanes in this game. And there's not really a need to go in on that dragon and try and take it when you could just keep up that split pushing that you're already going to be successful on because Jax had that big advantage in the earlier game. He had the level edge on Shyvana. He was doing really, really well with his items. He could have split pushed forever. And also, Shyvana's early itemization was really subpar. She went Ninja Tabby, two Doran's Blades, and a Vamp Scepter, and she was just getting bullied out of lane. Early home guard as well. And early home guard as well. Yeah, a lot of money spent there. So actually, we have a replay of the dragon fight we've all been talking about. If we can get that replay up on your screen. So I want to talk about what kind of went silly here. So Cloud9, right, they've got a poke composition. They've got Nidalee there, and as we saw from like the North American playoffs, for example, if you engage the dragon without having your entire opposing team on one side of you, then you're going to be in for a bad time. You can see the teleports coming in just now. You can see that on the minimap. Well, let's roll this clip out right now. Watch in the bottom right. Lucian's already flanking. This pulls Sneaky to 1v1. I'm just kind of watching the bottom right side for now because Balls is forced back, but there's no damage coming from Twitch until now, but he's already on top of the enemy team. Gets ice blasted right away. Shyvana flashes in. Sneaky, basically Son pulled Sneaky away, pulled off the AD carry, and then the entire rest of the team got to collapse down. You can see now the whimsy, the ice blasts. It's easy to chase down at this point, but this was basically Cloud9 suckering themselves into getting flanked with a poke composition, which is the worst thing possible. Yeah. And then Twitch, single target damaging off from the side. Yeah, and even worse, I mean, Cloud9 was supposed to be the team to do the engage because they have Evelyn, they're the one who needs to flank around. But the Nunu pick here actually we saw, I think that was the reason they left Twitch open, and they would have Nunu just snowball him in the team fight in the start to stop his spray and pray for doing all the damage it could, and it would try and shut him down. And then again, because they were so mobile, once they got on top of Twitch, there's nothing he can do. They can just collapse onto him and just kill him. And we saw it here, Sneaky, slightly out of position, I think we can safely say, and then as soon as the snowball was on him, he was dead. Yeah, that's something I missed initially when watching these compositions is the amount of hidden mobility coming out of Lucian. The Lucian can dash forward. Thresh can get people in different places. Lulu and Nunu can chase really easy, slow people down. But the biggest factor, I mean, why these team fights go so successfully is Alan. Because he's the first guy to land that hook, and that allows his team to just zerg all over the enemy team, then reposition people with Lantern. He landed consecutive hooks on Balls in fights three times in a row. He's just Thresh God. Well, for the very last question, OMG, of course, did pick up a win here. They're continually finding success with heavy team fight compositions. This is a comp that we've actually seen Cloud9 run similar sort of champions. It's a comp that they beat Fnatic with yesterday. What does Cloud9 have to do to think about not letting that happen in the next game? Well, first off, if we go back to the Allen on Thresh here, I'm happy with the first two bans from Cloud9. Take away Syndra, take away LeBlanc, but don't ban Kassadin. OMG has banned it themselves. I've never seen Siyang play Kassadin in LPL either. Just take the chance, leave it open, ban away the first set. Cloud9 leaving Kassadin open has... In the playoffs? Yeah, that could definitely I'm honest. I would do it. Well, here's the other thing, though, is that coming into the game, they are on red side, so basically they'll have that last ban option, and they may be able to psych out OMG into banning the Kassadin on Hopefully. Blue side, just because they're going to have their final ban first. So, but I agree. We said this before the game. Allen has not been great when he hasn't been on Thresh. Force him onto another pick. Very quickly before we move on, Krepa. Yeah, just C9 needs to go back to their original forte, which is their vision control. They need to get better vision and play better with that vision, and then they can do it. We'll see if they can get the metaphorical vision ball back in their hands. Guys, with that win, OMG are now one game away from securing their spot in the All-Star Finals. We'll see if they can get it done coming up in Game 2, or if Cloud9 can come back. We've been showing you fans around the world how they're enjoying All-Star event in all different ways, and here's a group of fans at the University of North Carolina, Chapel Hill, turning a classroom into their own viewing party. Be sure to share the way you watch these matches by tweeting your photos to @LOLEsports with the hashtag All-Star, but make sure you do your homework. We'll be right back. It's Saturday.